Alors, là c'est bon, enregistrement lancé, Ah ça ben. c'est bon. Et Divinity, je l'ai bien avancé, hein, en dehors de notre partie. Le 2? Bah le ouais le tu sais le jeu en solo là, c'est j'y suis retourné Ah, t'y es retourné. et Toujours pas fini. ouais, j'ai bien crampé dessus. Je suis pratiquement à la fin. D'accord. Je Et crois du que je coup, suis c'est à la intéressant dernière quête. ce qui nous attend. C'est difficile. Je vois pas comment on va le faire à deux, mais bon. Ah bon? Admettons. Ouais, moi à quatre persos déjà je galérais. Et j'ai pourtant je les ai bien optis. D'accord. Bah écoute, Pour ça, c'est tu sans me demandes compter. notre partie comment on va faire. Mais t'inquiète pas. Et je Ouais. suis là pour te sortir de situation si tu perds tes fringues. Si C'est vrai, la dernière partie, c'est arrivé plus d'une fois. Oh, à nouveau, salut Rix. Bon, allez, enregistrement lancé. Du coup. Ah Allez. putain, merde, on est encore en combat. Attends, c'est quoi cette merde? Bon, en tout cas, là, j'ai mon Ah, t'as perso. lancé le. Ouais, moi aussi. T'as lancé le dernier. La dernière sauvegarde, peut-être, pour ça. Non, l'avant-dernière, c'est un autosave, mais c'est. Attends. Ah, bah la Ah, ok. relance la dernière parce qu'on était déjà placé. Peut-être. Tu veux qu'on retente le combat? Ou alors on y va comme ça, vas-y. Allez. Je crois que tu voulais te mettre là pour les attirer. Ouais, mais je pense Et que. moi, Ouais. je me mets là pour Je veux ne pas retenter le attirer combat. l'attention. C'est un malade. Alors, attendez, on va faire Ah notre intro. On démarre la vidéo. oui. Donc, boum, les petits amis, comment ça va bien? Et boum! Hey, salut Salut Black Devil, Vanrick! on est de retour pour Divinity Original Sin 2, la Ah oui, suite. on est de retour pour vous jouer des mauvais tours! Et oui. Comment vont-ils faire pour passer encore ce combat? Et oubliez, Effectivement, ils vont voilà, recharger plusieurs fois. on est on était dans la merde, putain. Combat qui est trop vénère. Donc oui, alors nous sommes dans l'arène. Nous sommes dans l'arène. Et Il donc et oui. comment faire? Alors Il y là a 5 niveaux 10 face à 2 niveaux 10. Voilà. Donc là, 2 niveaux 10 plus 2 cerveaux humains contre 5 niveaux 10 et une Et on a intelligence des artificielle bandeaux. normalement limitée. Ah oui, on C'est est. Ah ouais, ça c'est la ça, c'est pour difficulté. ça qu'on a autant de Et mal. ouais. Ah mais oui. Et ouais. Du coup, là, j'ai plus Je vais d'idée de strat afficher là. mon bandeau. Écoute, Et salut essaye de te mettre Litour. là pour les attirer. Puis Ouais, on on va reprend. essayer de les défoncer. Ou alors on va se stuffer avant. Parce que moi je pense que je manque de stuff. Attends, je vais Ah, tester un quoique. truc. Je vais Faudrait tester bien une qu'on fasse niveau 11 en fait. petite strat. Ah Alors oui, on va les un peu obliger de fumée, ouais, ça à peut être pas venir au mal, ouais. cac. Voilà. On Petit les mur de fusille. fumée. Donc ça c'est bon. Ensuite. Je regarde si j'ai pas un sort que je pourrais faire là pour me booster. Non, j'ai rien. Ah, je vais faire pop une limace de feu. Bah si, je vais faire armure fortification. C'est ça que je n'ai pas fait. Ah putain, j'ai encore ce bug tout pourri où j'ai du mal à cliquer sur mon perso. Choisis ton portrait, sinon je te le valide. Et ça va, mon petit Litour? Ça se passe. Ah, bah, du coup, il te vise à toi. Parfait, comme prévu. Comme prévu. Eh ben moi, je vais me mettre là. En fait, on pourrait du coup se centrer. Attends.
C'est quoi le jeu? C'est Divinity Original Sin 2. Bien sûr, je n'ai pas la liste de viewers, je suis plus refresh. Cette putain de page. Alors. Qu'est-ce que c'est à eux? Tu peux m'expliquer un peu le jeu, s'il te plaît, monsieur Black? Eh bien écoute, c'est simple, c'est un jeu Heroic Fantasy en tour par tour, en mode Fallout, qui est excellent. Et là, je suis avec Manric, voilà, nous sommes en partie coop. Ouais. Putain, et la grenade fumigène, elle a pas duré longtemps. Je suis un peu déception. Elle a duré un tour, ouais. Ouais, un peu de la merde. Bon, que faire? Que faire? Que faire? Là, si j'avance en plein milieu, taper les trois. Sinon, il y a le mec là-bas qui est tout seul, que je pourrais aller chercher. Je pense que c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je vais venir t'aider. Manqué. Le monsieur caché derrière son mur, c'est ça, c'est Manric. C'est ça. Et là, nous sommes. On a repris notre partie et en fait, on est bloqué dans cette arène. Enfin, c'est pas qu'on est bloqué, mais on est dans une arène des champions. Sauf que c'est quand même très difficile. Putain, j'ai aucune portée, c'est. Compliqué. Ouais, mais c'est ça qui est chiant. Ah oui, je voulais invoquer une limace. Ah, ouais, c'est pas bête ça. Ah ouais, mais il n'y a pas de cadavre encore. Tue-moi. Ouais, mais la limace. Non, il me faut un point de source pour le faire. Ah. Ah oui. Oui, c'est l'ordinateur, Litour. On va les buter un par un. Vas-y, je le défonce lui. Oh! D'armure. GG. Ouais, ça va être bien quand on va avoir des cadavres autour de nous, ça va être mieux. Le mec, c'est un voleur mage nécromancien. Ah oui, c'est très ressemblant à Diablo, ouais. Mais je te conseille vraiment déjà de jouer au 1, qui est dans la même veine, mais c'est vraiment excellent. La campagne est géniale. Ouais, mais tu pourras te le faire. Oh, t'inquiète pas, on va le buter. Ça va, on encaisse, ça va. C'est bon. Ah, ils perdent du temps. Je suis à la foin quand même qu'on n'ait pas tué l'archer là. Ouais, t'inquiète. Ouais. Oui. Vas-y, bourré Manric. Aïe. Je vais passer Fufu et tu vas reprendre tout l'aggro. Hein. Bon. Ah bah au moins ils sont tous, regarde, ils sont tous autour de... Ah bah ils sont alignés, nickel. Sauf que c'est que des mecs avec de l'armure physique, c'est chiant. Attends, lui je viens lui en enlever. Enlève de l'armure physique, ouais. Je l'ai manqué. Je puisse laisser... Ah merde, tu te fais bourrer là. Putain. Bah ouais. Ah,
Ah, t'aurais dû essayer de taper un peu l'armure physique des trois là, parce que moi du coup après j'aurais pu les stun. Ah merde, mais j'avais pas fait gaffe. Ouh. Moi je suis étourdi, j'ai passé mon tour. Putain, les enfoirés. Puis alors moi ils m'ont mis la totale. Ouais, là t'es pas bien là. J'ai pas eu le temps de passer fufu. Ah, du coup, ils s'en foutent de ma gueule. T'es en Ok, main bah ce contre sera. un contre l'assassin. Ouais. Ok, bah, joue à Benny Hill avec les autres. J'ai passé mon tour, là je suis stun. Ah merde! Ah, mais à chaque fois qu'ils nous font passer notre tour, ils switchent de cible. Bon, attends, c'est pété comme combat là, on peut pas jouer. 1 sur 2. N'importe quoi. Oh, attends, mais c'est une blague. J'ai plus de vie déjà. C'est n'importe Oh, quoi. l'ordinateur impitoyable quoi. Ouais, j'avoue Ah, là. c'est peut-être pour ça qu'on avait pas fini sur la victoire du combat là. Je peux manger des frites froides à l'arrière, ça m'enlève un peu de vie. Moi, je vous baisse. J'ai passé mon tour à picoler. Je vois ça. Bon, ok. Alors, voilà, moi je. Ah! Petit problème technique, je ne brûle plus. C'est pas grave. Les flèches Non, font vas-y. le boulot. Vas-y, vas-y. Je recharge avant qu'on rentre dans l'arène, hein. Oui. À l'arrière, si on avait ne serait-ce qu'un point de source, ce serait parfait. Déjà, on pourrait mettre le dôme en place, oui. Ouais. Mais je Et crois salut, qu'il nous manque Foxy soit Boisné. un peu de stuff, soit un petit peu de level. Genre un petit Ouais. level de plus. Mais tu crois pas que si on passe level 11, ils vont nous mettre des mecs level 11? Oh non, ils vont rester level 10. Bon, bah on passe level 11 et puis on y retournera. Et puis on se prendra de la source avant d'y aller. Le truc, c'est qu'on pourrait les défoncer, hein, level 10, mais avec le bandeau, je crois que c'est vraiment handicapant et il faut qu'on soit level 11, je pense, pour pouvoir passer. Ouais. Parce On va qu'ils attendre. sont 5 level 10 et leur élémentaliste là, d'air, qui électrocute à chaque tour, c'est un petit peu bourrin. Ouais. Il nous avait pas fait ça d'ailleurs la Donc. dernière fois. Si, je me. Enfin, ça me Hein? dit quelque chose, ça me parle. Donc, ouais, je crois qu'il nous avait déjà rétamé l'ordinateur. D'accord. C'est pas pour de suite, champion de l'arène de flotte bois. Ah, on va être patient. Oui, voilà, oui. Ça se trouve, dans 1 heure, on revient, on les démonte. Oui. On va arrêter de perdre du temps. Bon. Je sais pas si t'as vérifié sur ton stuff, mais certaines armes ont des levels. Par exemple, moi j'ai une de mes dagues, elle est level 9 et l'autre est level 11. Et comme je suis level Ouais. 10, ma dague level 11, je l'utilise pas au plein potentiel en fait. J'ai des malus dessus Ah. parce qu'elle est d'un level Ah oui. trop élevé. C'était la Donc même chose dans le déjà, 1. quand je passerai level 11, je pense qu'au niveau DPS, ça montera encore plus, quoi. Ouais. D'ailleurs, je vais vérifier tout de suite. Toute façon, j'ai pas énorme. Donc bravo, je vais vous dire, vous feriez bien d'aller voir. Ouais. Donc là, il nous dit d'aller voir la naine.
pour nous engager dans. Donc c'est ce qu'on avait fait, mais là, bah, on va. Ouais, on va pas le faire. On va essayer de trouver. Ouais, on va essayer de trouver autre chose à faire. Puis même, tu vois, moi, je regarde mes deux armes, elles sont niveau 6 et niveau 8, quoi. En fait, je pense qu'il est temps pour moi de changer de. Ouais, il te faut des épées niveau 10. Ouais, même mon arbalète, elle est niveau 4. Ouais, l'arbalète aussi. Ouais. donc, on a quoi comme quête en cours? Ah, il y a. Rappelle-toi, il y a le. L'œuf ou la poule, on avait ramené un œuf à une poule qui était un peu la chef des poules. Ouais. Et on devait tourner la voir parce que l'œuf a dû éclore. Ah. Tu t'en rappelles? Ouais, ouais, ouais. Alors attends, c'est où la sortie? Ça va être par là? C'est par là. Moi, je vais faire flotte bois d'une. Ah bah oui, on peut se téléporter. Ouais. Et en fait... Attends, je vais quand même ressortir à l'extérieur. Je vais voir où est-ce qu'on est sur la carte. Je crois qu'on était dans les sous-sols de l'auberge naine de Flottebois. Ah oui. Alors, c'était en fait, l'auberge là qui puait de partout, je crois. Le poisson empoisonné. Oui, c'était à l'étage où tu t'es fait mettre à poil. C'est ça. Alors, tu t'es TP, je te rejoins, tac. Ça marche. Voilà. Ah bah, très bien. Là, je suis à donc, faut aller vers le nord. Faut suivre la route de Brickjeu. Ouais, voilà. Retrouver la route et la suivre. On est à 48% du niveau 10, donc déjà on a bien avancé le level. Ouais. J'ai entendu un petit poussin. C'est un œuf ou la poule. Elles sont toutes mortes. Ah oui. Non, il reste qu'un quai. Ah ouais, bah c'est lui. Maman. Qu'est-ce qu'a dit la quête? Poussin rejeton du néant nous suit partout. Il a l'air de prendre un membre du groupe pour sa mère. Ah merde. D'ailleurs, j'ai perdu mon petit chat que j'avais sur l'autre île. Ah oui, le petit chat. Ouais. Je sais pas s'il était intéressant. Tu pouvais après l'invoquer comme un esprit. Mmh. Mais bon, il sert pas à grand chose. Non, il aide pas énormément. Il permet de faire des petits TP pratiques en combat pour gagner un tour en général, mais bon. D'accord. Alors, je vois les quêtes. Je te propose qu'on fasse trop de tristesse à noyer. Le capitaine Bontemps nous a demandé d'essayer de faire taire la cloche de navire. Oui. C'est où ce navire à noyer. Donc, à la taverne, nous avons rencontré la prétend être hantée par la cloche. Alors, c'est à la taverne du Taureau Noir. Donc, c'est dans Flottebois. Il y a deux tavernes. Il y a la taverne des nains et ben, l'autre taverne, c'est la taverne du Taureau Noir. Mais du coup, c'est un bateau qui est pas loin, c'est ça? Non, en fait, elle entend. elle entend la cloche de son ancien bateau. Je crois qu'elle a passé trop de temps en mer. Ah, donc c'est dans sa tête, en fait. Ouais, je pense, ouais. Attends, il faut trouver la taverne du taureau noir. Ouais, bah, le taureau noir. On n'est pas loin du cochon noir. c'est quoi ça? La taverne du taureau noir. Ah oui.
Je crois que c'est là. Eh, il était à l'étage. Ouais, c'est ça, elle était à l'étage. Ouais, il est là. A weathered woman in a dirty sea captain's tunic. Bell rings a warning and the tide is on a turn. And I without my compass. Et moi qui n'ai pas ma boussole. Alors attends. Regarde, on va faire vision spirituelle. Ah. Putain, mais c'est là. Oh là là. On voit un esprit de marin qui la hante. T'as tellement raison, putain, mais j'y avais même pas pensé. Oh merde. On vient d'attirer l'attention des magisters. Ah. Ah, zut. Moi, je dis que je sais pas ce que c'est, les magisters. Les ensorceleurs. On empeste. Ah non, ah non, on va pas en prison. Hein. Je vais. Non, je finis encore à poil. C'est... Non. Ouais, je vais faire appel à mon bagou. Bon, écoutez. C'est. Vaudrait mieux chasser les vrais criminels. Nous, toi, on est innocents. Tu veux faire quoi? Proposer du fric ou. Ou on peut proposer des thunes, on est bourré de fric. Tiens, allez. Voilà, bonne journée. Allez-vous-en. Je ne veux pas de votre sale argent. Ah! Ah! Ok. Essaye ah la merde! Force, non ah oui. Ah oui. Attaque. Accepter d'aller en prison. Non, bah oui, ou sinon tu finis à poil, quoi. Non, voilà, attaque. On n'a pas le temps pour ces conneries. Putain. C'est un magister, on a le droit. Comment ça, il joue avant moi? Ouais, bizarre. Magister Eden. Mais il est vénère. Ouais, niveau 9 quand même. Mais il s'énerve sur moi. Toi, tu préviendras personne. C'est marrant, c'est qu'il y a la meuf qui se balade autour, tout va bien. Oh putain, on a un tour. Elle va revenir, la meuf. Ah, rien sur lui. Ok, son esprit n'est pas revenu. Oh, elle avait rien sur elle. Ah. Je sens l'odeur de la source dans l'air. Qu'allez vous dire? Ah merde, c'est parce que je viens d'utiliser. Encore? Bon, bah désolé. Non mais non, il m'a pas cru le capitaine. Je lui ai dit que j'étais redevenu capitaine. Ah merde. Ah, excusez-moi le capitaine, mais là, je suis occupé, là. On fera la tentative de persuasion tout à l'heure. Alors... Attends, on aura tué tous les magistères de ce bâtiment. Ouais, bah, en même temps, ils cherchent... Et dire qu'on a une quête où on est censé trouver qui kidnappe les magistères. Qui tue les magistères. En fait, c'est nous. Ah, bah oui. On a bien une idée. Attends, je ferme la porte, voilà. Alors. Oui, voilà. Alors, que dit cette personne? Il veut pas quitter son... En fait, il veut pas quitter son navire, et je crois que c'est lui qui est un peu taré, c'est le... Vous avez causé à ce seigneur, hein, pas c'est la peine de nier. Alors, j'ai la parade. Non, je l'ai pas. Mince. Il nous aurait fallu une baguette de purge. On l'aurait vampirisé, le fantôme. Attends, j'ai combien en intelligence, moi? J'ai 20. J'ai 20 en perception. Lui dire qu'il est mort, il est temps pour lui de lâcher prise, ou lui dire que vous êtes son nouveau capitaine et que vous lui ordonnez de vous obéir. Voir constitution, je suis à combien? Je suis à 14, ouais, c'est de la merde. Dextérité, je suis à 15. Donc c'est soit intelligence, soit perception. On va dire intelligent. Ah, oh, ça marche pas!
Oh. On peut recharger si tu veux. Mais bon, ouais, je suis pas sûr que ça passera. On peut le buter. On peut le buter, mais on n'a pas le pouvoir pour. Il faudrait le pouvoir vampirisation de source. Et on peut le faire avec une baguette de purge. T'as pas de baguette de purge? Bah, je teste des trucs. Non, t'as attaqué la nana là. Ah! Il est imbutable! Allez, on va recharger. Ouais. La baguette de purge. On a une baguette normalement. Je sais pas si je l'ai pas mise au bateau, dans mon coffre personnel. C'est la purge permet d'attaquer les esprits? La baguette de purge te donne temporairement, tant qu'elle a des charges d'utilisation, elle te donne temporairement la compétence vampirisation de source. Mmh. Et donc, voilà, il y a moyen de... De moyenner. Il y a moyen de faire disparaître le fantôme en vampirisant en fait son énergie magique. Sinon, si tu te rappelles, là on est arrivé sur la côte et la mission que Maladie nous a donnée, c'est d'aller voir des sortes de boss pour qu'ils nous apprennent à améliorer nos pouvoirs de la source. En fait, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse comme quête. Ouais, peut-être. Voilà, si on le fait dans l'ordre, en fait, voilà, si on débloque le pouvoir de vampirisation de source, après on pourra aussi faire disparaître le fantôme. Et on enchaînera. Ouais, on va faire ça. Il y avait Rikers qui nous avait donné une mission. Ah oui, de choper une tablette. Ah ouais, mais là, c'est... Non, c'est trop le bon. La tablette, elle est... C'est une tablette ancienne. Et il faut être level 15, je crois, pour aller la chercher. Elle est tout à l'est de la map. Ça se passe aux fosses noires. C'est là-bas qu'on la trouvera, la tablette. On n'avait pas trouvé un autre boss. Et au fait, alors, salut. Je vais re-regarder la carte quand ça va changer. Salut Retnoscope. Hein. Je t'ai pas dit bonsoir. Salut mec, ça va? Et boum. Salut Retnoscope. Donc ouais, on va oublier cet esprit. Et c'est toi qui as raison. Faut qu'on aille faire la quête principale. En plus, il y a pas mal d'endroits où on peut aller pour l'avancer, la quête principale. Je vais aller débloquer vite fait le petit poussin. Putain, je suis... Je suis où? Je suis là. Ah ouais. T'es premier. Je sais même pas où je vais. TP toi sur moi. Elle est où la route là? Ah oui d'accord, je suis pas accès comme il faut. Ah bah écoute, nickel Retnoscope. Oh salut Chaios. En IRL ou Ligan. Et tu débloques le petit poussin. Ah non, tu dois lui parler, non? Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai le pouvoir. Moi, je parle pas l'animal. Tu parles pas le poussin. Je parle pas le poussin. Du coup, il me suit partout, c'est génial. Alors, c'est quelle quête hein? Le poussin, il faut qu'on l'amène jusqu'à un coq qui se trouve... Ah, tu veux qu'on finisse ça? S'il te suit, en fait... Tu peux pas lui dire de rester là, sur place? On peut finir la quête. Il va mourir, en fait. Je crois que c'est vers le nord-ouest qu'il se trouve le coq. D'accord, je te suis... Ah, tu l'as vu toi aussi. Là, il y a le rat.
les cadavres de nos victimes. Ouais. Alors attends. Ah, il y a un petit lapin. Je peux lui parler ou pas? Bah ouais. Lapine. S'il a vu des trucs ou pas. Prochain mâle qui cherche à me faire la cour, je lui broie les oreilles. Génial. Oh, ah, il y a des pièges. Alliés par là. Il y a aussi des pièges, attention. Je ramasse. Ah, il y a une laine là. Une laine barde. Une laine à barde. Fingalboid. Ah. On cherche des aventuriers pour un repère d'anéant à nettoyer. D'accord. Eh ben écoute, ça nous intéresse. Il y a une compagnie de paladins. Ouais, ils ne nous font pas peur. Ah, c'est une marchande. Pas la queue de la merde. Ah ouais, par contre, si on y va avec le poussin, le poussin, il va pas faire long feu. Zut. Oh, faut monter sa perception de ouf. J'arrête pas de foirer les trucs. Les non, c'est le baratin. C'est la persuasion, ouais, je crois. C'est. Bah, après, il te propose, tu sais, hein, soit en mode intelligence, soit en mode perception. Oui. J'ai quand même intelligence et perception à 20, quoi. C'est. Je veux dire, ça va. Bah ouais. Oui, moi j'ai 20 en dextérité, c'est ce que j'utilise aussi quand j'essaie de baratiner, mais ça passe rarement. Encore à fouiller ici. Ah, il y a des bestioles, ouais. Petit rugby. T'es en train de fouiller dans le camp des paladins, toi, tu piques les rubis, quoi. Bah non, c'était sur le cadavre de l'anéant. Ah, d'accord. Alors là, il va y avoir de la bataille, je crois. Ouais. Ah, un petit écureuil, je peux lui parler? Ouais. J'aime parler aux animaux. Mon frère s'est fait écraser par l'horrible troll du pont. Ah. Il y a un troll. Attends, mais c'est comme dans le 1. Dans le 1, il y avait des trolls qui gardent des ponts. Ah, j'ai entendu le caractéristique dont on a trouvé quelque chose. Bah, moi, j'ai trouvé des flèches. Ah. C'était ça, peut-être. Ah, il y a un crapaud, là. Par tous les dieux, est-ce que vous êtes moche? Oh, il s'est pas regardé le crapaud. Ouais. Ok. Sa maîtresse s'est fait emporter par les magistères. Tu peux rentrer? Je peux ouvrir. Oui, on peut. Oh, la taille du bouquin! Qu'est-ce que ça raconte? Rien d'intéressant. C'est ma sœur qui s'est faite manger par un troll. Triste. Œil de sorcière. Auparavant. Je peux pas le mettre dans mon inventaire. Ah zut. Toujours pratique, ah. Auparavant. Il y a une trappe. Ouais. Ça demain, de l'ail. Bon, bah.
t'as tout fouillé, on va ouvrir. Hein. Ouais, vas-y, ouvre. Je suis en train de lire les bouquins que j'ai pris, là. Non, j'ai pas trouvé de clé. J'ai pris des nouvelles recettes. Okay. J'ai plus de crochets. C'était le dernier crochet. Waouh. Puis on pourra essayer d'en acheter, peut-être. Ouais. Il y a un violoniste dans cette cave. Tiens, regarde la caisse que je viens de fouiller, il y a des flèches de feu dedans. Oh, bien. Nickel. Bien, tu peux me les envoyer, hein, tu sais. Oui, oui. T'es juste à côté. Bon, ben... Ouais. C'est intéressant. C'est vide. Champi gelé. Ouh là là, attends, il y a des rats là. Je te laisse passer en. Ouais, attends, je peux embarquer le tonneau de vin. Ah non. Putain, je croyais que je pouvais l'embarquer. Il y a des monstres. Rien ne l'arrête. Il y a beaucoup de rats là. Ouais, c'est peut-être juste des rats. Ah, voilà. C'est piégé. Ça a l'air piégé, ouais. Je peux pas leur parler en tout cas. Ah, ils sont piégés les rats en fait. Ah, je sais, il faut aller défoncer les sorties de rats. Les trous. Ah, les trous. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était bon. J'ai détruit un trou. Ah zut, j'ai une arme qui va se casser. Faut la réparer. Pourquoi je peux pas réparer? Attends. Pourquoi je peux pas réparer ce que c'est bien? Je crois qu'il faut des marteaux. T'as des marteaux? Non, j'en ai pas sur moi. Zut. J'ai mon épée qui va se casser. Merde, j'ai mon jeu qui a planté. Ah merde! Mais du coup, tu vas mourir! Mais t'es mort! Ah! La blague! Mon jeu a planté. Enfin, ouais, il a figé. Attends, je vais te ressusciter. Je vais en profiter. Peut-être pas de suite. Peut-être pas de suite. Parce que là, il est figé, d'abord. Le jeu. Ça y est. Ça y est, je viens d'imploser. Ah, c'est fou ça, que t'aies eu un bug comme ça. Bon, y'a plus de sortie de rats là. Je vois plus. Ça a l'air d'être bon. C'est bon pour toi? Ouais, je vais... Si tu peux me TP en dehors de la pièce, genre par là, ça sera nickel. Je vais crever, je crois. Ah oui. Il faudrait que je me heal. Enfin, j'ai plus de sort de heal, c'est possible. C'était merde. Dans un anneau, mais ouais, on a pris des levels, t'as changé de stuff. Ouais. Ah oh putain, mais il y a toujours des rats. Ah, mais c'est parce qu'il y a encore des. Il y a encore des trous. Ouais. Ok, ça s'est détruit. S'il en reste encore. Oh, il y a un gros crapaud là. Apparemment, il n'y a plus de trous. Donc vas-y, on va niquer les derniers rats là. Oh putain, je vais crever. Non. Je suis mort. J'ai même pas fait gaffe, j'avais un PV quoi. Ah ça va, on a une sauvegarde auto juste avant, ça va. Alors non, Retinoscope, il est pas gratuit le jeu. Ouais, il est pas gratuit. Ouais. Ouais, il est pas très cher je crois. Non, 30 balles non 30 40 ouais, ouais. Prix fort, il doit être à 40 balles. Bon bah, le temps que ça charge, je me prends un café mec.